Moussa Niakhati, le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, a accordé récemment une interview à Actu Foot Afrique. Le défenseur des Lions en a profité pour faire des éloges à ses deux coéquipiers en sélection, en l'occurrence Abdelah Simon, l'attaquant des Rangers, qui fait un excellent début de saison, et Lamine Camara, le milieu de terrain messin, qui compte 3 sélections avec l'équipe nationale du Sénégal. Dans cette vidéo, nous allons vous laisser écouter la déclaration de Moussa Niakhati. Quant à moi, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootZen. Qui va exploser? Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis fier de savoir qu'il y a des Sénégalais qui jouent FC Barcelone, même FC Barcelone B. Je suis fier d'entendre qu'il y a des Sénégalais qui brillent en Espagne, des jeunes qui ne sont pas encore en sélection, des joueurs offensifs qui brillent. Je suis fier de voir des Messins aussi briller aussi. En fait, tous ces petits trucs-là, ça me rend fier. Après, il y en a que vous connaissez. Bon, c'est Abdelah Sima qui n'est pas le plus jeune, qui a 23 ans, je pense. Qui a de très 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 grosses qualités. Et moi, il y a Lamine Camara qui est au SMS. Ce joueur-là, pour moi, va devenir un très grand joueur. Parce que ce que j'ai vu en sélection, pour ses premières sélections, l'audace qu'il a, la personnalité qu'il a dans son jeu, sa première entrée qu'il a faite contre l'Algérie, en fait, c'est même m'a impressionné par sa qualité technique, tout ça, oui. Mais moi, en fait, en quoi je reconnais un joueur qui peut faire une grosse carrière, c'est au caractère. Au caractère, c'est ça qui définit tout. Il est rentré, il a posé le pied sur le ballon, il a directement envoyé les passes, il a fait des retours défensifs, il ne jetait pas le ballon. Si on ne pressait pas, il continuait à aller fixer, aller fixer, aller fixer. Et ça me dit long. Parce que souvent, il y en a beaucoup, tu sais, il y a le ballon qui brûle. Ça, tu lâches vite la balle pour ne pas faire une erreur. Lui, non, direct, il a posé le pied sur le ballon à 19 ans. Il a marqué le but d'anthologie la Coupe Monaco il y a 10 jours. Je pense que Lamine, vu aussi le caractère qu'il a, la simplicité qu'il a, c'est un travailleur, il pense au foot, il aime le foot à fond. Voilà, je pense qu'il va faire une belle carrière, mais c'est pas un scoop parce que je ne l'ai pas découvert et je pense que tout le monde le découvre. Mais voilà, que Dieu veille sur lui, que Dieu le préserve des blessures. Inch'Allah, je pense qu'il y a beaucoup de très belles choses qui vont venir pour lui.